Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode, le 22e, sur Pokémon Verfeuille en Monorun Starter Only. La dernière fois on avait fait la Ligue Pokémon, la véritable cette fois, et on s'est retrouvé au Bourg Palette. Je ne vais pas mettre l'accélérateur parce que de toute façon c'est le dernier épisode, il n'y a pas besoin d'accélérer grand chose. On aurait pas mal galéré, mais en tout cas on aura réussi. Voilà, j'espère que le SP vous aura plu. Je voulais quand même faire une dernière vidéo sur Pokémon Verfeuille avant du coup de mettre de côté le jeu parce que bon, on a terminé. Normalement, je devais faire la Ligue Tour 2, mais comme annoncé, elle est sur la route Victoire. Et bien, pour faire la route, enfin la nouvelle Ligue Pokémon, du coup le deuxième round en plus compliqué, il faut avoir le Pokédex national, donc avoir 60 Pokémon enregistrés dans son Pokédex de base. On n'en a que 14 et j'ai pas envie de capturer autant de Pokémon juste pour faire la Ligue. Je l'ai fait, mais de toute façon, c'était pas l'objectif premier de l'aventure. Et aussi, de toute façon, ensuite, il faut se taper les îles Séville pour faire la quête du rubis et du saphir avec Sileo. J'ai pas envie de faire ça non plus. Donc, voilà. J'espère que cet épisode de... Enfin, j'espère que l'aventure sur Pokémon Verfeuille en mode Restarter Only vous aura plu. On va retourner dans notre chambre, là où tout a commencé. Et voilà. L'espoir a été incroyable. 22 vidéos. Ça aurait duré... Je pense, j'aurais pas dit. Moi, je pense que c'est dans l'idée de ce que je me faisais en termes de longueur d'aventure. J'espère du coup que cet épisode et ce let's play sur Pokémon Verfeuille en Monorun Starter Only vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si le let's play vous a plu en règle générale. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. 16h25 et je vous dis enjoy.